Bonsoir le peuple. Ben, on est toujours sur le plateau de TV Debout. Et ce soir, je suis avec deux charmantes jeunes filles qui travaillent dans le rap. L'une s'appelle Camille et l'autre s'appelle Noémie dite Nono. Avant de leur passer la parole, elles vont quand même nous dire pourquoi elles sont sur cette place. Pourquoi on est sur cette place ? La raison est simple. À la base, ça part de... Parce que je suis à la rue. Mais parce que je l'ai voulu. Parce que j'ai décidé de prendre l'air. Et de vivre ma vie comme je voulais. Donc, il y a 3 mois, je suis partie de chez moi. À 500 km de là. Et j'ai voulu vivre ma vie. Et depuis le début de Nuit Debout, Paris Debout, j'étais là même avant. Mais je les ai accueillis entre guillemets, en fait. J'étais sur la place quand ils sont arrivés de la manifestation. Et ils sont arrivés avec de la musique, une bonne ambiance. J'ai commencé à parler avec les gens et c'est parti de là. Moi, j'étais partie en Allemagne pour vivre en janvier parce que j'en avais marre de la France. Je ne me sentais pas du tout d'évoluer dans ce continent, on va dire. Mais je n'ai pas voulu partir trop loin tout de suite parce que j'ai préféré faire ça par étapes. Et en fait, quand Nuit Debout a commencé, je me suis dit qu'il fallait absolument que je revienne parce que je me sentais pas du tout de rester chez moi. J'avais trop envie de participer et du coup venir ici. Et du coup, depuis 2 mois, je campe ici, quoi. Je campe ici, on dort sur la place dans une tente et tout, et on se met au même niveau que tout le monde et il y a plus. Est-ce que vous trouvez que c'est vivant comme endroit ? C'est très très vivant, oui. Il y a pas plus vivant, je pense. Mais c'est très très vivant. Vous retrouvez un peu une âme humaine là ? Je pense que je l'avais déjà un petit peu, mais c'est mon regard qui change. J'avais un regard beaucoup trop puissant, beaucoup trop empathique sur la situation. Et il faut garder cette empathie-là, mais il ne faut pas oublier que c'est des gens qui ont besoin d'une dignité, qui ont besoin de tout réapprendre, qui ont besoin d'être aidés, absolument. Les gens qui viennent ici, moi je les appelle les anges déchus. C'est joli. Et donc, voilà. Si j'ai bien compris, vous travaillez ensemble ? Non, on travaille on pas, se connaît en fait. Depuis quelques jours. Non, mais dans ce monde-là, on dit travailler. On ne travaille pas, ensemble. On est là. Ouais. Vous aimez, on cohabite vous ensemble. Jouissez ensemble, ouais, en vous sorte, faites de la justice ensemble, ouais. De, la vie. De l'amour on et de ensemble. La paix. On bat, alors la paix, je vous donne la parole pour nous faire un rap. Ah. À vous les filles. Ouais. Quand vous me dites paix, forcément... On n'a jamais rappé ensemble encore. Non. Mais il n'y a pas trop d'instru, alors on est obligé de le faire à la naturelle. Ouais, en fait. C'est de l'anglais, on va essayer, allez. On peut essayer. J'ai un texte, mais après tout, on est Place République. Place République, c'est la liberté. Place République, c'est l'amitié. Place République, c'est le partage. Place République, c'est tout, en fait. Et c'est des belles rencontres. Get up, stand up, il est en train de dire. Get up, stand up, and don't give up the fight. Yes. Et ça me fait super penser justement, en fait, j'ai un texte en fait que j'ai écrit hier. Et c'est incroyable, parce que ça commence comme ça. À l'heure qu'il est, Place République, personne te demande l'heure. Ici, on kiffe, on voyage sur place à travers la musique, la percu, la guitare, il y en a assez. Allez, levez-vous, get up for your right, or levez-vous. Ici, on est debout. Pardon, mais je me mets debout du coup. Vu que je vous dis ça, je me mets debout. Voilà, je me mets debout. Osez prendre la parole, prendre le mic. Allez, vas-y, on est entre nous. Ne comptez pas sur les médias, ils nous aiment pas. Sortez, sortez de vos canapés de luxe. Il y en a pas ici. Et venez à notre rencontre. On vous décevra pas, je vous jure. On aime, on s'entraide. Ici, il y a de la haine, ouais. Il y a de l'amour aussi, hein. Mais moi, j'ai la rage. J'ai la rage, putain. Et je l'exprime face à vous, droit dans les yeux. Ouais. Sans artifice, c'est vrai. Je me dis cagoule, casquette, lunettes, basket. Ouais, normalement, c'est mon look à moi, ouais. Bon, là, je suis un peu à nu, face à nu. Face à vous, à nu, face à vous. Il me donne trop envie de chanter. Vas-y. Vas-y, on improvise. Get up. Stand up. Get up for your wife. And get up, stand up. Don't give up the fight, yeah. Get up, stand up, stand up. Get up for your white. Paris debout, eh. On est debout, eh.
On est debout, là on est assis, mais c'est pareil aussi. On est debout, c'est l'intérieur. Faut bien se reposer à un moment donné aussi. Grave. On a besoin de repos. En fait, on aurait trop besoin d'un silence complet, la synchronicité de l'oreille, rapper et entendre quelque chose d'autre en même temps qui n'a pas du tout de rapport, c'est hyper chaud. Ouais. Du coup. Pull up. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On continue, on improvise, Tu sais faire du beatbox ou pas? Un petit peu. Je fais un peu de musique, j'écris, je fais un peu de percu, un peu de guitare, un peu de piano, on peut essayer. J'ai réussi à écrire du rap sur 8 vers. Franchement, pour une fois qu'on donne la parole aux femmes, merci, on va en profiter. Donc on va essayer. Désolé, on donne la parole aux femmes, sous TV. Évidemment. Elles ont leur place. Évidemment, merci monsieur. M. Louise Michel, et Madame de Gouges, et M. surtout Séverine, la première femme journaliste. Tout à fait, dédicace à Séverine. Merci Séverine. Et merci monsieur, monsieur ultra féministe. Et joyeux anniversaire monsieur. Joyeux anniversaire. Allez. Ah, ok, vas-y, fais ton beatbox. Allez, on va essayer. Boum, tit, ah, Welcome in 90s, bitch, take a sip. I was born in March with sunglasses, a jean jacket, laser on my knees. It's 10 a.m., I haven't slept. Yo, give me a chuck, I want to ride. You say I'm sweet, but I'm so white. Sky, coke, cigarettes in my bag. My dad is stuck, shoot, see my mom. Okay, okay, that you? Ça tue, hein? Franchement, ça tue. Je t'ai pas entendu. Okay. On applaudit les pas. Ouais.